Bonjour à toutes et à tous, ici Nasbec pour une nouvelle partie de Darksiders. On est sur le point de parler à la porte, donc on va parler à la porte. Écoutez, hein. Ça fait longtemps qu'on s'est pas servi de la corne de terre et je crois que c'est peut-être bien la dernière fois qu'on le fait, donc. Pouette! Vas-y, pouette. Dis-moi tout, pouette. Dis-moi tout. Pardonne-moi, ami. Je te ferais bien passer si cela était en mon pouvoir. Fais pour moi ce que tu as fait pour mes frères, et je n'entraverai pas ta route. Il doit y avoir un autre moyen. La malédiction doit être brisée. Ensuite, tu passeras. Eh bien, c'est reparti. Eh bien, c'est reparti. Allez. 4 rôdeurs des ombres à tuer. Trouve où se cachent ces rôdeurs des ombres et tue-les tous. Ils ne peuvent pas être si durs à trouver. Je m'en occupe tout de suite, mon gaillard. Est-ce que c'est utile que je passe par là, au fait? Je commence à grimper de ce côté, mais. Je sais plus. Ah, peut-être pour un. Si, pour un. Mais pas celui-là. Pas celui-là. Celui-là, on s'en occupera peut-être en dernier. Je sais plus du tout où se trouve quelle épreuve. Je sais que c'est fixe. Je sais que par exemple au milieu, là, ce sera toujours la même épreuve, peu importe l'ordre dans lequel on les prend. Mais je sais plus du tout où se trouve quoi. Bon, j'ai pas toute ma santé. Hein. J'espère que la première épreuve que je prends, elle sera pas trop délicate. J'espère. J'espère, j'espère. Allez hop! Et quick! Voyons voir. Qu'est-ce qu'on a ici? Épreuve numéro 1. Dis-moi tout, rôdeur des ombres. Qu'est-ce que tu attends de moi? Moi, ces épreuves, c'est un bon moyen de s'entraîner aux différentes techniques de combat. Hein. Défenseur, gardez au moins un soldat non mort en vie. Oh merde! Oh merde, oh merde, oh merde, oh merde. Donc ces 6-là, ce sont des potes. Ce sont des copains. Et ce qu'il faut, c'est qu'il y en ait au moins un qui soit encore en vie à la fin du temps. Oh, ça peut être vachement vicieux, ça, comme épreuve. Parce qu'ils restent pas ensemble, ces troufions. Si au moins ils restaient tous ensemble, tous avec moi, pas de problème. Mais ils sont tous indépendants. Ils sont tous indépendants. Et donc forcément, il y en a qui se retrouvent dans la merde, et il y en a qui se... Bien costaud. Si moi ils restaient tous ensemble, ils pourraient se démerder avec les ennemis, vous voyez ce que je veux dire? Là, en attaquant en groupe, en se concentrant tous sur un seul à la fois, ils pourraient se démerder. Regardez, celui-là par exemple, il se prend avec 3 contre 1, il est... Il va se faire buter celui-là. En supériorité numérique, ça sera déjà pas mal. Le truc, c'est que ça commence comme ça gentiment avec des petits bleus, et qu'après on nous fout bien dans la merde en nous mettant des bien costauds. Mais bon, de toute façon, les soldats supplémentaires, eux, c'est que du bonus, donc tout ce qu'il faut, c'est qu'il y en ait un qui reste en vie, et puis les autres à la limite. Mais bon. Si on pouvait quand même avoir des âmes en bonus, moi je suis pas contre. Pas contre du tout. Aïe 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 aïe. Ouais! Un gros enflammé. Un gros enflammé, c'est pas cool! Arrête de t'occuper d'eux! Ah, il y en a deux! Il y en a deux. Ok. Vous l'aurez voulu! Vous l'aurez voulu! Bang! Dans! Flure! Ah! Faut pas m'énerver! Portez-le! Bon, j'ai sûrement fait un très mauvais choix stratégique. Parce que c'est loin d'être les ennemis les plus difficiles à battre. Mais bon. Mais bon, mais bon, mais bon. Bah, on va faire comme
comme ça, il y a encore 2 minutes 40 à tenir. Oh mon dieu. Mon dieu, et le pire, c'est qu'on peut pas réduire ce chronomètre à part en attendant. Je me rappelle un article de les encyclopédies, ça attend. C'est concernant le voyage dans le temps, pour la petite anecdote, et comment voyager dans le futur. C'est très simple. Attends. C'est complètement débile, ça m'avait fait rire ce coup-là. Pourquoi je raconte ça en plein milieu d'un jeu où je suis en train de massacrer des démons de toutes sortes? C'est totalement débile. Débile. Peut-être est-ce que c'est un moyen pour moi de décompresser et de ne pas penser au fait que je viens de perdre un soldat, par exemple. Merde, j'en ai perdu un. J'en ai perdu un. Aïe, 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 aïe. C'est pas bon signe, c'est pas bon signe. Tous les tuer. Tous les tuer. Bon, occupez-vous de celui-là dans le coin, il peut... Ah, oh non, pas non, 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 pas un gros comme ça, pas un gros comme ça, c'est méchant les gros comme ça, c'est méchant les gros comme ça. C'est très méchant les gros comme ça. Ah mais faut que j'arrête avec la corne, c'est l'alarme que je veux. Ah ils vont m'avoir. Potion de soin, c'est moins cher que l'immortalité. Ok, on en a perdu qu'un. Ça, c'est le bon plan. Oh putain, il y a encore un comme ça. Je m'en occupe en priorité de ça. Autant les petits peuvent se démerder, autant celui-là, j'en doute. Ah bah tiens. Nettoyage. Merde, il en reste trois. Il y en a deux qui sont morts en même temps. Tu vas pas me dire que c'est moi qui les tue, c'est pas possible. Non, non, le tirami est pas actif. Il m'en reste deux. Faut qu'un seul survive. Déconne pas. J'ai jamais échoué à ces épreuves-là. Avec toutes les fois que j'ai joué au jeu, il n'est pas question que j'échoue une fois ici. Surtout en étant enregistré, quoi. Dégagez tous. Bon, s'ils sont que deux, ils sont plus faciles à protéger, hein, vu qu'ils sont moins dispersés. Encore 15 secondes. 10. 9, 8, 7, 6, 5, oui, 4, oui, 3, oui, 2, oui. Oh. Oh bon sang. Oh quelle horreur. Quelle horreur. Voilà qui était amusant. Ouais. On va recommencer. Non. Ah, bordel! Alors, je suis désolé si maintenant vous entendez un bruit de fond, hein, mais... Attends, là, c'est plus qu'un bruit de fond, je l'entends parfaitement. Oh, putain. Bon, je vous retrouve dans un instant, je règle ça. J'essaie. Ouais, donc apparemment, moi, je l'entends parfaitement, mais de ce que j'ai vérifié, vous l'entendez peu, voire pas. Si vous l'entendez quand même, je suis désolé, mais bon, je peux pas faire grand chose de plus, malheureusement. À moins de tourner au milieu de la nuit, mais à ce moment-là, c'est moi qui parle avec une petite voix, donc c'est pas forcément génial. Donc, bon. Épreuve suivante, s'il vous plaît. Aïe. Donc l'épreuve de défense, c'est fait. De façon un peu pourrie, mais c'est fait. Deuxième épreuve. Dites-moi, Tio, qu'est-ce que c'est cette fois? Bon, déjà, il n'y a rien de particulier dans l'environnement ici. Bon, admettons. Alors, qu'est-ce que c'est? Dites-moi, Tio. Un monde de douleur. Oh, c'est un joli nom, ça. Tuer 15 ennemis à l'aide d'armes improvisées dans le temps imparti. Ah! Les armes improvisées, ah oui, les bagnoles. On nous fournit toujours 3 voitures. Si l'une d'elles explose, il y en a une autre qui respawn. Seulement si elles explosent. Si elles sont juste loin, eh ben, tant pis pour toi. Tchouk! Non, avec les bagnoles. Les bagnoles!
des bagnoles. Tant de bagnoles. Bagnoles. On va se les faire, hein, les uns après les autres. Combien d'ennemis ils veulent? 15. Oh putain, 15. 15 ennemis en bagnole. Je sais que je peux frapper avec, mais il me semble que les lancer, c'est ce qu'il y a de plus pratique. Donc, ce que je pourrais faire aussi, c'est les affaiblir pour ensuite lancer des voitures dessus. Ouais, ça aurait été un peu moins idiot. Bagnole. Bon. Bon, on est à 4. Merde. Non, je voulais pas attraper l'ennemi. Attraper la bagnole. Ah ben les trois voitures sont là-bas. Vous voyez, si elles sont pas explosées, elles respawnent pas. Je sais qu'il y en a une au fond. Bagnole. Bagnole. Oh bagnole. Oh, il y a... oh non non non, pas du poison, pas du poison. Non, il y en a deux en plus, des enflures. Faut pas que je les... faut pas que je les approche. Faut pas que je les approche. Faut pas que je les approche. Oh mon dieu, faut pas que je les approche. Faut que je les tue avant. Faut pas que je les approche. C'est une horreur ces trucs là. Faut pas que je les approche. Remarque, se prendre une bagnole comme ça, ça a pas l'air de leur faire très plaisir. Ah, me vomis pas dessus. Me vomis pas dessus, saloperie. Me vomissez pas dessus. Plus que 4 encore, 4 à tuer encore. Ah, il m'a vomi dessus. Ah, c'était violent, c'était violent. Et je suis empoisonné, ça y est, je suis cool. Bon, 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 bon. Non, c'est pas ça que je veux faire, c'est les voitures que je veux attraper. Les voitures, il y a que c'est vrai, les voitures. Encore 4 ennemis, 4. 3 ennemis. Ouh, un ennemi. Ouais, j'ai eu les deux poisons en même temps. Ah. Sauf que les voitures ont l'air de s'être barrées quelque part. Donc on va... Et un gros machin comme ça, c'est pas cool. Ce sera pas lui le dernier, tant pis. Hein. Non. Je veux te contourner, gaillard. Je veux vous contourner, monsieur. Ça y est, bon. J'ai même pas regardé combien de temps il me restait. J'ai aucune idée du temps qu'il me restait. Par contre, j'ai 3000 âmes en stock, ça c'est cool. Ça c'est cool, ça peut faire une deuxième potion d'immortalité. C'est bon ça. Excellent. Donc pour le début du jeu, on va se contenter d'une petite potion de santé. Bon. Ça c'est fait. Il me reste une potion de santé, une potion d'immortel. Allez, c'est parti pour la troisième épreuve. Bordel, oh, bordel. Bon. Blurk. 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 Alors, on dit à quel bâtiment délabré ou. Est-ce combien de temps là je... Ouais, il reste. Ouais, 7 minutes. Ouais. Il reste une petite dizaine de minutes. Bon. Bah, il y aura le temps de faire au moins les deux. Ah, de faire les deux dernières épreuves, c'est déjà ça. Ouais, mais il n'y aura pas le temps de faire beaucoup plus, hein. Je pensais atteindre le marteau noir, mais c'est pas sûr, hein, c'est pas sûr. Ça dépend comment elle se passe, celle-là. Allez, hop. Chouk. Chouik. Ok. Troisième épreuve. Qu'est-ce que c'est? Dites-moi tout. Dites-moi tout, 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 tout. Est-ce que c'est celle à laquelle je pense ou pas? Toujours pas. Tu es 30 ennemis grâce à la forme KO pendant le temps imparti. 30 ennemis sous forme KO. Ok, ça peut se faire. Ça peut se faire. Ça peut se faire. On commence. Ah oui, on va commencer par débloquer la forme KO. Et ça, je l'ai pas encore active. Ça y est, je l'ai. Crevez tous, enflure. Et
Ok, pour recharger, 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 recharger. S'il vous plaît, il faut que je recharge. Non, mais laissez-moi bouger. Recharger, c'est rechargé. Vous êtes dans la merde. Charger. Choke. Choke. Choke, choke, choke. Pas ça bien grand chose, ça. Oh, encore 4, encore 4. Au prochain coup, c'est bon. Prochain chaos, c'est bon. Faut juste que je survive d'ici là. Faut juste que je survive d'ici là. Oh, oh mon sang. Mais je me souvenais pas qu'on envoyait des gros gaillards comme ça. Mais laisse-moi me transformer. Laisse-moi me transformer. C'est bon. Vous êtes foutu. J'étais dans les entrailles du grand gaillard. Ouais, 4600 âmes, génial. Ensuite, oui, faut tuer celui-là déjà. Voilà qui était amusant. Peut-on recommencer ? Ah, je dois bien admettre que celui-là était sympa. Et le suivant, ben le fait d'avoir acheté. Ah, ça me remplit même plus toute ma jauge maintenant. Oh, je disais, le fait d'avoir acheté. Le maximum en contre-attaque maintenant va être utile. Puis de toute façon, c'est utile pour la suite du jeu. Hein. Contre-attaque, faut juste que je pense à m'en servir. Juste que je pense à m'en servir parce que c'est vachement puissant. C'est vachement puissant. Allez, la quatrième épreuve ici. Et là, on doit tuer des gens en contre-attaquant. J'espère vraiment que c'est ça, parce que je sais que cette épreuve existe, et c'est forcément là qu'elle peut exister. Je ne l'ai pas encore faite, donc elle ne peut être que là. Ok, ça c'est fait. Oui, c'est fait, t'es apparu, d'accord. Allez. Contre-tueur, c'est bien ça. 5 ennemis seulement. Feu, 5 ennemis. Mais c'est simple. Regardez, on l'affaiblit un peu. Voilà. Allez, attaque. Et de 1. Et de 1, plus que 4. Toi, t'es affaibli. Voilà. J'appuie trop tôt. Allez, encore. Hop, d'un coup. Je fais ça encore une fois et c'est bon. Voilà, ça va te calmer un peu. Ça va surtout t'affaiblir. Voilà. C'est fait. C'était simple. Parce que si j'avais amélioré ça au maximum. 5800 âmes en stock, tu te fous de ma gueule. Moi, j'ai 5800 âmes et une essence de vie. Ah, et donc une potion surtout. Excellent. Ah, c'est ça que je retiens. Une potion. Ensuite, que ce soit une essence de vie ou pas, ça me donnera un conteneur vide. Puis oui, j'ai pas besoin de récupérer le courroux, on s'en fout. Le courroux est déjà plein. Pourquoi je récupérerais le coffre de courroux? Les 4 épreuves sont faites. Et puis il reste. Je crois que c'était le dernier. Il reste un peu de temps, c'est bien. C'est bien, on va pouvoir valider ça. On va pouvoir se rendre au prochain secteur. Sans rien y faire pour l'instant. Je pense pas qu'il y ait le temps de faire la suite. Hein. Non. Non, tel que s'annonce la suite, il n'y a pas le temps de faire la suite. Donc ce sera à la partie suivante. Allez, réveille-toi, grand Adé. Mes ancêtres te bénissent. Oui, eh ben. Nous serons libres. Très bien. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Tant mieux, tant mieux.
me demande quand même pourquoi c'est quoi les trucs qu'il a sur le au-dessus du dos. C'est des pierres tombales. C'est je sais pas ce que c'est. C'est vachement bizarre. C'est vachement bizarre comme bestiole. Et un morceau d'un mur abyssal. Ouais. Par curiosité, ça m'en fait combien? La moitié déjà. Ouah. Je vous rassure, je suis pas du tout à la moitié du jeu. Ouah, quand même. Ah, quand même. Donc là, très bien, j'ai tout ici, puis là, c'est très bien, et puis là, c'est nickel. Ok, et bien, direction le secteur suivant, en s'amusant dans les tunnels, là. Ah ben là, je peux pas y accéder, c'est vite vu. Écoute, ça a l'air plus rapide que de courir, donc... Plomb! Poisson! Bloc! 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 Poisson! Poisson! On va encore en voir un paquet de poissons, je vous le garantis! En secteur suivant, enfin sur le chemin, dans le donjon du deuxième élu, on en voit. Ah, on en voit un paquet de poissons. Ok, on y est presque. J'ai vu un symbole de Vulgrim. On y est presque. Hop. J'avais oublié ça. Bonjour. Petite bombe. Ok. Hop, je te tiens. Tout. Fonce. Et descend. Allons voir Vulgrim. Hop. Bonjour Vulgrim. Salutations. Content de te voir. Voyons voir. Alors, 5900 âmes. Je commencerai bien par une essence de vie. Tu es tout aussi sage. Je préfère être prudent là-dessus. Niveau attaque. Oh, bien. Non, je m'en passerai. Alors. Les attaques avec la lame boomerang, je pose des âmes de courroux. Ou le fléau génère du courroux naturellement, sachant que le fléau je dois l'équiper. Alors que ça, je m'en sers pas mal aussi de la lame boomerang. L'idéal ce serait les deux, mais j'ai pas les moyens. Donc. l'un des deux ce serait vraiment sympa. Vraiment. On va dire la lame boomerang. Celui de la lame boomerang. Ok, très bien. Merci Vulgrim. On va juste atteindre le secteur suivant. Et puis je vous laisserai. Akantonistara. Par contre, j'ai pas encore la forme KO. Ça, c'est gênant. Gué de l'enclume. Corbeau! Merci, Corbeau. Corbeau! Oui. Je veux récupérer toute ma santé avant. Non, y a pas d'autres corbeaux. Oh, un petit socio, juste un tout petit socio. Non, y en a pas. C'est chiant. Non, c'est une voiture. Y a pas de autre. Bon. Si, là aussi. Celui-là, par contre, j'en avais pas besoin. J'aime pas les piafs. Ça, j'ai ses pères. Ouais, ben je ne peux pas. J'ai pas vraiment la force pour ouvrir ça. Je sais qu'il y a un truc qui brille en plein milieu. Hein. Est-ce que là déjà j'ai la force pour l'ouvrir ou pas?
Même chose. Ok. Ok, on ne peut rien faire à part... activer ça. Mais je ne le ferai pas ici. Je ne le ferai pas maintenant. Je le ferai dans la partie suivante où nous affronterons donc le marteau noir. Le marteau noir qui est joliment planté dans le sol. Hein. Oh, ça me permet de voir un gros plan de ma tête. Coucou, guerre. Bon. Ben, la prochaine fois, on s'occupe de ça. Ensuite, on se mettra en chemin de la vers la mantoptée. Allez, à plus.